Le son de 4BDV, la chaîne il est enfin sorti. Ça y est. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nasdas au sujet du premier clip de 4BDV dans le rap et le mariage de Mousse à 16 ans, le fils de Michou. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Il est disponible. Oh, allez lui donner un maximum de force. Il croit en vous. Il croit en lui. Achetez, s'il vous plaît. C'est 4BDV. Allez voir son clip. J'ai grandi, j'ai plus le temps d'ouest. Ram, ramène ton boss, on le baisse. J'suis dans la street, bientôt dans le buzz. Boîte auto, j'suis enfoncé dans le siège. J'ai grandi, j'ai plus le temps d'ouest. Le matin, quand elle se maquille, elle aime la rumba, je saute à kitaki. Toute la nuit, toute la. Ce matin, la chanté, j'ai rencontré ce jeune homme. Je vous jure, par tout hasard. Il m'a expliqué son histoire. Voilà, j'ai même pas envie de vous raconter son histoire. Moi, on n'a pas le droit de se plaindre. Je vous jure qu'il m'a fait une peine. Voilà. C'est quoi ton rêve? Nasdas. Oui, oui. J'ai compris que tu viens de très très loin d'Algérie pour voir Nasdas. Oui. Mais ton vrai rêve? La Lichoufer. Là? La Lichoufer. C'est quoi ça? La Tour Eiffel? Elle vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Il est jamais monté dans un ascenseur. Il a peur, mais non, t'es jamais. Vas-y, t'inquiète. Tiens. Merci. De rien, mon pote. Allez, vas-y, change-toi. Allez, l'équipe. Imagine que ça fait 4 jours qu'il n'a pas pris de douche. Et 4 jours qui malheureusement, il ne s'est pas changé. Du coup, je l'ai ramené à Lacoste. Et... il a le droit de prendre ce qu'il veut, vraiment. T'es content? Oui. Merci. Allez, t'as les habits, l'iPhone, et là, on va continuer. Non, 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 mais vous êtes malade ou quoi? Non, 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 Michel, non. Non, j'ai dit non. Mais j'étais obligé. Obligé. Vous êtes sérieux? Je la voulais, non, c'est... Tu la voulais? Je la veux. Il partait en voiture tout seul. Il partait en voiture tout seul. Vous avez déjà tout préparé? Vous avez déjà tout préparé? Ben oui, demain, c'est aujourd'hui. La chaîne, les gitans, pour la plupart, ils se marient hyper jeunes, hyper tôt. Demain, ils vont faire le demandement. Le demandement, c'est quand deux familles... Ouais. Enfin, toi, il y a ton fils. Oui. Il y a une famille avec leur fille. Ouais. Et en gros, demain, tu te... Ouais, c'est comme ça qu'on se demande. Moi, je demande à la main, ils sont promis. Mais il peut pas, il peut pas. En gros, c'est un fiançailles. Ouais, ouais. Mais chez les gitans, c'est comme ça. Chez les gitans, c'est comme ça? C'est comme ça. Il a 16 ans, putain, mais il a 16 ans, non! Non, non, même, il a 16 ans! Comme ça, non, c'est il a 16 ans, même si vous êtes gitan! Non, Michel, il a une future peut-être carrière de mannequin! Ouais, mais c'est comme ça, enfin, c'est à ah, 16 ans! C'est la coutume! C'est la coutume! Mimi, s'il te plaît, Mimi. S'il te plaît, Mimi, me dis pas que toi, tu vas laisser faire ça! Ton fils, il a 16 ans. Il peut pas être fiancé à 16 ans, Mimi. J'ai mal au cœur, mais chez nous c'est comme ça. T'as mal au cœur, mais chez vous c'est comme ça? Non, Mimi, s'il te plaît, voilà, pas toi. Il est trop jeune, s'il te plaît, j'ai pas envie de perdre maintenant. Non, mais. Oh, voilà, hein. Non, 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 non. Moi, en tout cas, je m'y oppose, hein. Moi, je m'y oppose. T'es obligé de venir, c'est mon fiancé. Je viens pas. Je viens pas. Je peux pas venir à un endroit. Déjà, tu me l'as caché. Déjà, tout ce que j'ai fait pour toi, tu me l'as caché. Vous savez que t'allais être contre. Ouais, ah, vous savez que j'allais être contre. Je sais. Mais encore heureux, je veux son bien, ce petit.
Eh, vous allez me prendre pour un fou. Voilà que vous allez me prendre pour un fou. Mais regardez, en plein milieu de mon jardin, j'ai mis quoi? J'ai mis un poulailler avec des poules à l'intérieur. Oh là, regardez, c'est réellement des poules, la chanter. Et là, il y a mon jardin, là, il y a la piscine, et là, il y a les poules. Et vous allez me prendre pour un fou. Mais je suis juste quelqu'un qui anticipe les lois. Le 1er janvier, vous allez voir que je suis pas bête et vous allez comprendre pourquoi il y a un poulailler chez moi. Je suis quelqu'un qui... Je suis quelqu'un qui s'adapte aux lois. Lui, c'est Billy DZ. Et Billy DZ, la HNT, il fait partie de la création de la Team Nasdas. Et j'ai commencé avec lui Snapchat. Aujourd'hui, il est avec sa femme, sa fille. C'est normal qu'il s'est éloigné, mais il est toujours dans le cœur. Et il a perdu son compte Snap. Pour tous ceux qui le connaissent, ajoutez-le. Ceux qui ne le connaissent pas, allez découvrir le phénomène. Son Snap, il est juste ici, en ensemble. Regardez le poulet que je l'ai mis. Je l'ai mis un poil. Regardez ses faces, toi, qui toi. Regardez le poulet que je l'ai mis. Mais regardez, regardez la puissance. Regardez ce qu'il m'a envoyé, Billy DZ. Regardez quand je pub une personne, comment ça fait. La meilleure communauté de France. Mais regardez. Tu fais quoi? Tu rends un service à Bison? Ouais, je lui rends un service. Tu t'es en train de balayer dans sa chambre? Tu rends un service à Bison? Ouais, je lui rends un service. Esteban, n'aie pas peur. Voilà, je t'ai dit quoi? Arrête d'avoir... Oh, arrête d'avoir peur. Je te jure, je lui rends juste un service. Ah, ça, voilà, il est où? Il est dans la chambre d'à côté. Ça pue le joint, voilà, ça pue le joint. Ah, Bison. Tu vas pas arrêter en fait avec lui. Voilà, tu vas pas arrêter en fait avec lui. Voilà, je te parle sérieux, frérot. De quoi, wesh? Comment ça, de quoi, wesh? De quoi, wesh? Pourquoi il fait le ménage dans ta chambre? Mais wesh. 15 euros. Pour 15 euros. Bah ouais, tu vas pas lui aussi, tu l'as pas dit. Tu fais le ménage dans sa chambre pour 15 euros, Esteban. Je vois pas, c'est une salope, voilà. Ah, parle bien de ta bouche, toi. Parle bien de ta bouche. Ménage. Mais il a raison, t'es une grosse salope, putain. Ménage, en ce moment, j'ai besoin de sous. T'as besoin de sous? Ouais. Ah, t'as besoin de sous? Ouais. Du coup, t'acceptes des 15 euros? Ouais. Pour faire le ménage dans tes chambres? Non, mais Esteban, arrête ça de suite. Mais... Oh, là, je te parle. Oh, Esteban, je te parle très, très sérieux. Mais... T'arrêtes ça de suite. J'ai besoin de sous, mais... Tu arrêtes ça de suite. D'accord. C'est compris ou pas? Oui, c'est bon. Pour 30 euros, tu le fais dans ma chambre? Ouais. Hey, arrête de capter ce pays. Arrête de dire ouais. Même pour je sais pas combien, non. Pourquoi? Ouais. Donc, grosse news aujourd'hui dans cette story. On apprend que Lyon est un pays. Lyon est un pays. Voilà, c'est un nouveau pays indépendant, Lyon. Non, je rigole. La grosse info, c'est l'autre qui fait le ménage sur ordre de Bison. Non, je rigole. La vraie info, c'est le clip de 4BDV que je vais aller voir de ce pas-là, je vais aller voir. Et je vais aussi l'écouter d'une pierre deux coups. Pourquoi pas le voir et l'écouter à la fois. Ça serait bien. Et dire mon avis aussi. Voilà, sur une prochaine vidéo, peut-être. Donc, non, la plus grosse info, c'est mariage à 16 ans de Mousse, le fils à Michou. Donc, ouais, chez les Gitans, ça peut se marier assez jeune. Même mon grand-père, je le sais, mon père me l'a dit, il s'est marié à 14 ans, mon grand-père. Mais à 14 ans, il était gendarme. Il était en gendarmerie. C'est incroyable. Tandis que, voilà, maintenant, nous, à 14 ans, on est à la PlayStation. La PlayStation. Bon, ça n'existait pas, la PlayStation, à l'époque. Peut-être que s'il avait une PlayStation, il serait resté à la maison en train de jouer. Il ne serait pas allé travailler avec son père, qui était une autorité à l'époque. Donc... voilà, et ma grand-mère aussi, à peu près le même âge, ils étaient mariés assez jeunes, encore plus jeunes que Mousse, mais c'était une autre époque, voilà. Après, voilà, si il est sûr de lui, Mousse, après, est-ce qu'à 16 ans, on peut être sûr et certain, parce que c'est un engagement à long terme,
Et encore plus s'il y a des enfants, parce que faut bien réfléchir avant de faire des enfants, parce qu'en cas de séparation, bah, c'est les enfants qui trinquent, hein, qui souffrent jusqu'on va dire jusqu'à l'âge de 12-14 ans. Jusqu'à 12-14 ans, ils vont pas mal trinquer. Voilà, tout le temps rêver que leurs parents se remettent ensemble, revivre avec les deux et pas être séparés de l'un ou de l'autre, ou de le voir que le week-end, tout ça. Donc, c'est des choses à ne pas prendre à la légère non plus, voilà. Donc, s'il est sûr de lui, donc félicitations et voilà, et tous nos voeux, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à plus.